on s'appelle Tomasenko de Belgique parce qu'il y a un Tomasenko français, mais c'est pas nous. Donc on est de Belgique. Mais Laurent et Catherine, qui forment le trio avec moi, sont eux de Limoges et Rouen. Donc c'est quand même, voilà, une communauté de travail entre la France et la Belgique, on va dire. Mais c'est pas vraiment une compagnie au sens théâtral du terme. Tomasenko, c'est plus le nom un nom générique. Il y a le travail en trio, mais il y a aussi, quand on est en Belgique, un travail avec des chorales, un travail avec d'autres formules qui rentrent dans ce travail, quoi. On s'appelle en général un orchestre de poche qui fait de la musique de chambre pas bien rangée. Si on me demande ce qu'on fait, c'est, il n'y a que ça que je peux répondre. C'est-à-dire que c'est du théâtre, c'est vrai, c'est de la musique, c'est vrai, mais c'est jamais ni l'un ni l'autre. Ça se promène un petit peu au milieu, on joue plusieurs instruments, etc. Et donc c'est l'idée d'être dans la suggestion, la poésie. Et on est en acoustique, ce qui est une particularité quand on joue avec des musiciens. Et donc c'est vraiment une optique théâtrale avec des musiciens. Voilà. Mais à qui je n'ai pas forcément demandé d'être des acteurs. Il reste des musiciens. Et la situation théâtrale fait que voilà, y a une théâtralité naturelle qui vient. Et... J'aime bien le vert quand il est super. J'aime bien le rouge quand il a fou. J'aime bien le bleu quand il est bleu, mais j'aime aussi le noir. Je farcis pili-pili l'assiette d'Aline, la tâche d'un régime qui s'imagine. Je modifie les dynamiques de la midanique, les mimiques des mécaniques du nac. Tout qui donne au bigouin, une colomite soir, oui, tout bigawa pour le trio. Je profite de ces rallonges, ma matune, j'ai envie de pousser. Vrai, je pense que le bodobusou, le characha, madame le sou, le poisson chat qui d'aiguille en épice, c'est un bon qui est pasteur de chat. Elle joue à ma chat, elle joue à ma chat, et moi je pisse. Petit problème, je t'aime. Parfois j'ai envie de faire ce qu'on ne peut pas faire. Je me demande vraiment si c'est très embêtant. Parce que si je fais ce que je ne peux pas faire, ça risque de m'embêter et donc que de déplaire. Mais tant c'est souvent bien de faire ce qui n'est pas bien. Ça sert à franchement de faire ce qui est embêtant. Et puis ça ferait du bien de purger mon affaire. Ça me ferait du bien, oh oui, ça me ferait du bien, oh oui, ça me ferait du bien. Et t'en faire part, hein. Et puis non, merde, je crois que je vais faire. Comme tout ce que je peux pas faire, et ça, ça va. Tant pis pour ceux qui pensent que c'est